Bonjour, je suis Yannick Van Doorn et je vous montre là des feuilles de tilleul. Oui, ça paraît incroyable quand on voit la taille. Regardez là, ça c'est mon doigt. Ça c'est une feuille de tilleul, on va dire, comme on voit souvent, plus ou moins normale. Hein. Donc ça fait, voilà, on va dire, quand on regarde les nombres de centimètres, environ 10 cm, 11 cm de diamètre. Là, vous avez une feuille de tilleul, là, qui fait genre largeur, qui fait 21-22 cm de largeur. Et en longueur, qui fait 28 cm. Voilà, un 27-28 cm de longueur. Donc, c'est impressionnant. C'est ma fille qui a remarqué ça. Moi, je n'avais pas fait trop attention, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Et là, il y en a encore une qui est même plus grande, là. Regardez, voilà. Et donc ça vient de mon tilleul qui est là devant la maison. Hein, on va regarder là. Vous voyez, toutes les feuilles ne sont pas aussi larges. Hein. Oui, attendez, la lumière est un peu... Voilà. Mais quand même, il y en a beaucoup. Hein. C'est un tilleul qui a été taillé, hein, qui est taillé tous les 3-4 ans. Hein, devant la maison, là, il a été taillé ce printemps, hein, donc juste avant que les bourgeons sortaient, hein, donc fin de l'hiver, il a été taillé, il a bien repoussé, hein, de façon incroyable, même, il est très très vigoureux, hein. Même dans les années de sécheresse, il est très vigoureux, et donc là, pourquoi il a probablement poussé aussi fort, ben, c'est que, là, vous voyez, il y a une antenne atmosphérique type paratonnerre. Hein, donc, il y a une antenne avec aussi la tige horizontale. Donc, c'est une antenne d'il y a déjà quelques années, là, hein, qui est là, et qui accumule l'énergie, la bonne énergie d'électroculture, on va dire, dans le sol, comme un goutte à goutte, et qui se trouve juste à quelques mètres de, du tilleul. Voilà, donc incroyable, incroyable. Ah, pas incroyable, mais assez étonnant. Là aussi, on voit des rosiers qui ne sont pas loin de l'antenne, aussi très vigoureux. Ah, je le taille aussi tous les ans. Pourtant, c'est des rosiers qui ne doivent pas forcément être taillés. Mais si je ne les taille pas, ils seraient deux fois plus gros et je ne veux pas qu'ils deviennent plus grands que ça. Donc. Mais quand on regarde de près, comme il n'y a eu que des légères gelées... au début de l'automne, ben, il y a encore des roses. Hein. Regardez là. Regardez, c'est magnifique. Hein. On est là vers mi-novembre et il y a encore des roses. Hein. Magnifique. Et donc là, on voit les feuilles. Regardez. Hein. Regardez, c'est super. Hein. Des grosses feuilles comme ça. Hein. Voilà. Donc là, on voit donc l'antenne paratonnerre. Et là, je vais encore vous montrer un phénomène assez intéressant. C'est que au pied de l'antenne, à son nord-ouest, il y a ce rosier-là, ce rosier. Et ce rosier, il est aussi particulier, c'est qu'il préfère pousser avec ses tiges-là vers l'antenne plutôt que vers le sud. Regardez. Regardez là, regardez, donc ça c'est par exemple une tige énorme, hein, vous voyez là, c'est une tige énorme qui pousse vers l'antenne. Là pareil aussi, c'est direction l'antenne ça, direction l'antenne, voilà. Il y a finalement, vers le sud, c'est vraiment là comme ça. Et la plupart des tiges, comme vous voyez, ils vont à droite. Là, ils vont vers l'est, vers le sud-est, direction l'antenne. Je vais me mettre dans la prolongation. Regardez là. Là, on voit mieux. Donc là, il y a le rosier, il y a son pied qui est là. Et on voit les tiges aller direction par là. Il y a un an ou deux, j'avais même une tige de plus de 2 mètres en un an qui a poussé vraiment, qui touchait presque l'antenne. Hein, donc, impressionnant. Voilà.
Et donc là, vous voyez ma camionnette d'électroculture. Hein. C'est la première camionnette d'électroculture, on va dire, des années 2000. Hein. Donc, depuis que Justin Christoflo avait une camionnette électroculture dans les années 1925. Et donc là, elle commence aussi à prendre de l'âge, je dirais, parce qu'elle a déjà plus de 10 ans, à même 15 ans, je dirais. Là, on est 2023. Je l'ai acheté vers, en occasion vers 2013, je pense. Donc, elle a plus de 10 ans. Hein, parce que dans ce temps-là, elle avait déjà au moins 5 ans. Donc, voilà, voilà. Assez marrant. Mais je l'aime bien et je la garde le plus longtemps possible. Voilà, voilà. Donc là, l'antenne, vous voyez qu'est-ce que peut faire une simple petite antenne comme ça? Ah, elle n'est pas si petite, elle fait environ 4 mètres de hauteur. Et comme vous entendez aussi, il y a beaucoup d'oiseaux. Avant, je n'avais pas autant d'oiseaux tout près de la maison. Hein, mais là, depuis quelques années, j'avais juste un couple de moineaux et maintenant j'ai vraiment une nuée de moineaux hein, autour et qui dorment dans le tilleul et dans la glycine et la vigne vierge là que vous voyez là. Voilà, donc voilà, voilà, au prochain témoignage, au plaisir, merci beaucoup, au revoir.